Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Darn et Anagund. Bonjour. Et on se retrouve pour un GL très attendu, et quand je dis un, je suis gentil parce qu'on risque d'en faire plusieurs. Probablement. C'est Pokémon version blanche et noire 2, le retour. Une vraie suite pour une fois, et non pas le troisième épisode traditionnel, tu sais, qui synthétise les deux premiers. Comme la version jaune ou la version cristal, ou dernièrement il y avait une version platinum. Et bien là non, on a droit donc à une vraie suite avec le chiffre 2. Gros chiffre 2 derrière. On est sur la version blanche 2. Oui. Et on va attaquer ça tout de suite. Mais c'est un jeu édité par Nintendo et développé par Game Freak. C'est sorti le 12 octobre 2012. C'est un jeu de rôle, bien sûr. C'est sorti au Japon un peu plus tôt. Ça date du 23 juin, qui est ma date d'anniversaire. Voilà. Je le dis comme ça, au hasard. Joyeux anniversaire. Non, c'était le 23 juin. Ah, donc, pardon. D'accord. Mais c'est gentil, je le garde. Je me repasserai la vidéo à mon anniversaire l'année prochaine. C'est gentil, Dar. Alors explique-nous justement ce que va apporter cet épisode par rapport au précédent. Eh bien écoute, déjà c'est écrit sous nos yeux, et la nouvelle aventure démarre à Pavoné. Alors Pavoné, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une des nouvelles villes de cette version en fait. Voilà, puisqu'il y a donc une carte améliorée qu'on va voir de suite. Hop, ça va nous permettre de faire un petit tour dans le sac. Alors sac, présentation assez traditionnelle, avec plusieurs poches comme ça. Ben oui, il y a plein avec de trucs les dedans, objets en plus. Répartis par catégorie. Et donc au milieu de tout ça, il y a la carte. Alors la carte, la voici. Donc tu vois en bas à gauche, donc au sud-ouest, si on va être précis, il y a donc Pavoné, qui est doté. Alors c'est nouveau ça aussi dans une ville de départ, qui est doté d'une école de dresseurs, un centre Pokémon. C'est-à-dire c'est plus juste un petit village tout pourri. Oui, j'allais dire, c'est pas le petit hameau de trois âmes. C'est une vraie ville. Ouais. Donc voilà, toute cette partie de région est totalement nouvelle, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc on va aller le faire de suite en situation réelle. Juste le temps peut-être dans le menu de présenter quand même mon équipe. Ben oui, parce que la voici. Pratique, c'est qu'il y a quand même encore des Pokémon. Ça, c'est Carlos. Carlos c'est la troisième évolution du Moustillon, en fait. Donc, j'ai pris le Pokémon O, parce que les starters sont les mêmes, en fait. Hein. T'as les trois starters... Sur les deux versions, Blanche et Noire, tu veux dire Sur Blanche et Noire et sur Blanche et Noire 2. Ah, ok, autant pour moi. Les starters sont les mêmes. Donc, voilà, j'ai pris un starter d'eau. Et après, si tu veux voir le reste de l'équipe, il y a du Vibranymph, oui, il s'appelle Nadia, Mascarpone, c'est un déflaisant, alors ça, c'est la troisième évolution d'un Pokémon vol, bon, on va pas tous les faire. C'est leur vrai nom, là, Mascarpone, machin, ou c'est toi qui t'es fait plaisir ? Ah non, c'est moi qui ai donné. Buzz, c'est pas son vrai nom non plus, okay. Russell non plus, mais tu as le vrai nom en dessous du numéro du Pokédex. Voilà, c'est ça, voilà, donc ça se présente vrai, pareil. Et à propos de Pokédex, on va y aller aussi, puisqu'il a été amélioré, donc là, à nouveau... Ça ressemble au Pokédex d'avant, voilà, donc avec tout un tas d'entrées comme ça, ouais. Tu vois. Sauf que, en fait, des Pokémon, au lieu d'en avoir 156 comme dans le dernier épisode, dans Blanche et Noire, il y en a 300. Ah oui, ça fait deux fois plus quand même. 300, c'est quand même énorme, et issu non pas seulement de la cinquième génération, mais de toutes les générations. Ah oui, donc là c'est un petit mariage. Ça veut dire que dans le Pokédex régional, en fait, c'est-à-dire les Pokémon que tu peux capturer dans la région... sans faire d'échange ni rien, eh bien tu as 300 Pokémon qui viennent de tout le jeu. Et voilà. C'est une première, non, de marier les générations ou pas dans un épisode général. Oui. En plus. Donc ça c'est super. Enfin, c'est dans Blanche et Noire en tout cas, parce que dans le premier Blanche et Noire il y avait que le continent du Nice. Ouais. Là par contre il y a toutes les régions. Autre nouveauté, la liste des habitats. Alors par exemple je sélectionne la grotte Parsemille, voilà, au hasard, et là je vois les Pokémon que j'ai rencontrés, ceux que j'ai capturés, ceux que j'ai seulement vus, et Si par hasard j'ai réussi à capturer tout le monde, et j'ai un tampon. Ah bah il y en avait qu'un. Qu'est-ce que tu es fort, tu as réussi à capturer ce nombre incroyable y en de avait un Pokémon. Non, on va faire la route 4 par exemple. Voilà, sur la route 4, et il y a ces 4. D'où le nom route 4. Pas du tout. je m'en doute. J'ai vu une route 16, je pense pas qu'il y en avait 16. Mais voilà, donc énormément de bestioles à capturer, nouveaux territoires à explorer, donc tout ça c'est super. C'est pratique pour les collectionneurs quand même, ce que tu montres là, de t'indiquer. Extrêmement pratique, comme ça tu sais exactement si tu as bouclé une région ou pas. Voilà, t'as pas une zone ou pas. De revenir, de chercher des heures pour voir si tu vois pas un nouveau Pokémon, tu sais que tu les as ou pas. Tout c'est à bien. Fait. Alors ça, on l'a vu. Hop, on va prendre un repousse. Sais-tu ce que c'est un repousse, cher ami? J'en ai strictement aucune idée. Bah, le repousse, c'est pas compliqué. C'est un objet qui va nous permettre de tenir à distance tous les petits Pokémon qui... Ah, il est là. Max repousse. Non, super repousse. Pardon. Voilà, qui pourrait... Tous les petites bestioles, en fait, qu'on pourrait croiser dans l'herbe et qui ralentiraient le gaming live. Ah. Eh bien, on va les éviter parce que là, donc, on est au point de départ, hein. Donc c'était la première ville, Pavoné. Maintenant tu vas voir la seconde nouvelle ville. Alors en tout il y en a 5, hein, il y en a 5. Mais même dans les anciennes villes, il y a plein de nouveautés. Ah bah elle est pas loin. Oui, hein. À 3,50 m. Là il suffisait d'aller faire un petit tour à pied, c'est pas compliqué. Si on veut, on peut
hop, d'une simple pression sur le bouton Y. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Le vélo qui ressemble plus à une mobilette qu'à un vélo, parce que dis donc, qu'est-ce qu'il trace ? Ah bah, il pédale vite. Hein. Alors ça, c'est nouveau. On peut utiliser plusieurs pouces à la suite. Sans repasser par le menu. Ouais, ça a l'air de rien, mais ça, voilà, ça facilite les choses. Ça t'évite un aller-retour dans les menus. Ça s'utilise vite quand même. Il y a toujours les différents types d'herbes, au fait. Ça, c'est une herbe dans laquelle on peut rencontrer plusieurs Pokémon à la fois. Ah oui, herbe comme ça. Ouais. Et parfois, quand tu te balades aussi, tu vois les herbes qui bougent. Bon, ça, c'était pas nouveau, mais... Des petits rajouts graphiques, visuels. Non, c'est pas que visuel, parce que si tu vas sur cette herbe qui bouge, en fait, il y a un Pokémon rare qui se planque dessous. Ah. Et oui, si tu te souviens. Ah, je vois qu'il y a des lacunes en Pokémon. Ah ouais, non mais écoute, j'ai honte, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Bon, nous sommes désormais à Onde-sur-Mer, et là, il faut que je te montre quelque chose, parce que ça vaut le coup d'œil. Ah, la dernière fois que tu m'as dit ça, ça a été... C'était énorme. C'était énorme, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors ça a été voici, énorme. C'est le Pokéwood. Pokéwood, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une nouvelle activité. Ah. Alors, est-ce que je vais utiliser notre pouce ? Non, parce qu'il n'y a plus de... Voilà, bah il n'y a plus de bêtes sauvages par ici. Par contre, ce qu'il y a, c'est un superbe studio d'enregistrement. Hop, par ici. Ah, c'est Hollywood. Et voilà. Je cherchais pourquoi Wood, mais... Voilà, c'est le jeu de mots Hollywood. Donc, ça se présente comme des studios de cinéma. Et c'est super bien fait. Tu peux tourner tout un tas de scénarios, en fait. Donc, soit avec tes propres Pokémon, soit avec des Pokémon qu'on te prête. Et c'est carrément génial. C'est des combats ou c'est tout ce que tu veux ? Tu vas voir ça de suite. Ah bah voilà. Est-ce que tu veux tourner un film ? Bien sûr. Bien sûr que je veux tourner un film. Alors, par exemple, les Envahissants. Moi, j'aime bien le nom du titre. Ça a l'air d'être clair. Voilà. Je vais sélectionner quelqu'un de mon équipe. Tiens, bah vas-y, tu vas... non, parce que si tu choisis un trop faible, ça va pas le faire. Ouais, non. T'as des niveaux 36, 30 machins. Bon, allez, prends... Voilà, Carlos. Voilà, prendre Carlos. Une valeur sûre. Bah, bien sûr. Parce que les starters sont toujours très forts, quand même. Et puis, en plus, ça me réjouit de le voir dans mon prochain film. Ah bah, alors, on tourne les films de façon très moderne, hein, donc sur fond vert. Ah, tiens, bah, comme CGL. Voilà, et ça se présente sous la forme de, à la fois d'un combat, puisque là, voilà, un combat va être lancé. Il s'appelle Dujardin, c'est un rapport avec l'acteur. Je sais pas s'il y a un clin d'œil, c'est possible. Hein. C'est même fort probable. Alors tu vois le petit nodulite en face quand même, il est pas très rassuré. Il est quand même niveau 38, attention. Oh oui, mais enfin moi je suis niveau 41 et bon, action. Ouais. Et surtout je suis Pokémon haut alors que lui il est faible face à mon élément. Ah oui, donc c'est terrible, là tu vas le... Donc, regarde. Ah bah, one shot. One shot, voilà, super efficace. Par contre, il a une capacité spéciale. Alors je te rappelle que les Pokémon ont des techniques, ont des capacités spéciales, ont des types, ont des... Au niveau stratégie... Ah bah là, c'est le côté jeu de rôle et stratégie voilà. Celui qui dit que Pokémon, c'est simple... On rappelle, et dès le premier épisode... Hein, il a tout premier, parce que moi, j'ai fait que le premier épisode. Et dès le premier épisode, c'est un vrai jeu de rôle, de toute façon. Donc effectivement, ça reste complexe. Voilà, et en dehors de son aspect... comment dire, enfantin. Ça y est, mon film est terminé. Il y a quelque chose. Alors, ah oui, d'accord, c'est fini. Je me suis pas occupé des dialogues, par contre... C'est dommage, j'aurais bien aimé te les montrer, mais enfin bon, c'est parce pas que tu pouvais par exemple insérer des... Voilà, t'as des options de dialogue, et en fonction des options de dialogue que tu choisis, ton film va évoluer dans telle ou telle direction. Direction, c'est-à-dire le genre du film ou... T'auras des fins différentes par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va voir de suite la diffusion du film. Allons-y. Tiens, oui, allons multiplex. Allez, il y a du popcorn et tout Bah oui, c'est un cinéma. Bon, j'espère, attends. Attends, moi je veux voir Les Envahissants. Vas-y, tu demandes. Regardez le film. Là, tu vas voir Z comme Zuman. Ah, bah, il y en a plusieurs des Envahissants. Mais je vais te montrer le premier, tiens, parce qu'il était vachement bien le premier. Ah, ouais. C'est un que t'avais fait. Ouais, voilà. J'avais choisi bien. Des dialogues, etc. Ah, bah voilà. Bah, alors, c'est parti. Bien. Comme ça, on va voir le résultat final. En fait, une fois que t'as fait à la fois les combats et à la fois que t'as répondu au choix de dialogue qu'on te propose, voilà ce que ça donne, en fait. Alors, on se tait et on écoute. Non, ça parle pas. Ah mince, bon, on se tait pas. Ça parle jamais Pokémon. Les Envahissants, la peur initiale. Alors voilà, c'est sympa, t'as l'assistance en bas. Ah. En haut, t'as l'histoire qui défile. Ouais. Voilà. Bon, là, c'est parce que tu zappes, hein, normalement, vous avez le temps de lire. En fait, voilà, c'est un énorme ovni qui vient de débarquer. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et ben voilà, nodulite. Le nodulite qu'on a combattu tout à l'heure, ben oui. Qui descend de la soucoupe. Et là, bam. Alors, moi, je l'avais tourné avec un Pokémon qu'on m'avait prêté à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un pont-chien. Un pont-chien. Alors, voilà les dialogues. L'OVNI a lâché une myriade de Pokémon. Alors, les gens cherchent à s'enfuir par tous les moyens. C'est la panique totale. Voilà, alors c'est parti. Donc ça va faire démarrer le combat.
Ouais. Bon, il y a une dame horrifiée qui passe. Voilà. Bah ouais. Le combat commence. Coup de croc. Il a la trouille. Voilà. Et là, on a encore des choix de dialogue. En fait, c'est pas tout, hein, mais je peux décider pas mal de choses que je vais dire dans le film, en fait. Et selon ce que je vais dire, comme je t'ai dit, le film ne va pas se terminer de la même façon. Oui, c'est bien, ça, c'est complet quand même. Donc là, le combat contre le Nodilite a continué. Et boum, tu l'as fait fuir là, non ? Il a fait un hurlement et il a fait apparaître à sa place un second ennemi. Oh là là ! Ah ouais, non, mais quelle tension ! Il y avait un suspense de dingue. Hein. Mais attends, c'est un truc de malade. Et une grand-mère ? Décidément, hein, c'est des dames, des grands-mères. C'est assez marrant le résultat, hein, d'avoir comme ça une histoire. Où... Bah ouais, c'est étonnant en plus. Et c'est d'autant plus attachant quand tu. Là, donc, c'était un Pokémon, une sorte de figurant, enfin, quelqu'un qu'on m'avait prêté, mais quand en plus c'est avec tes propres Pokémon comme on a fait tout à l'heure, hein, avec Carlos. Oui, voilà, qu'on vous a pas diffusé parce qu'on n'a pas fait les dialogues, mais ouais. Enfin, Oui, c'est ça. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors okay, ce qu'on va faire, c'est on va continuer sur un second gaming live. Ouais, exactement. On va prendre le bateau en fait et on va se rendre dans un port. Et dans ce port, il s'appelle Yonneuve, je crois. Ouais. Et dans Port Yonneuve, il y a également un nouveau bâtiment super intéressant qu'on va s'empresser d'aller voir parce qu'on peut y faire des choses incroyables. N'en dis pas trop, n'en dis non, pas trop. Je n'en dis pas plus. Gardons ça pour la suite. Je n'en dis pas plus. Ce qui est dommage, c'est que c'est pareil, hein, on est vraiment anti-spoil. Vous ne verrez même pas la fin du film de Darn. Mais si, voilà, tous les civils ont rejoint les abris. Ah bah mince, j'ai cru que ça allait continuer. Et l'OVNI s'enfuit. Alors moi je suis sûr qu'il y a une autre fin en fait où tu peux empêcher l'OVNI de s'enfuir et lui régler son compte. Ah oui, bah oui. Mais bon, exactement. Je ne dirai pas plus. Voilà, essayez chez vous, vous allez bien voir. En tout cas, le public avait l'air content. Le public ah, il y a des crédits. Et tu as les crédits qui défilent. Il y a des crédits. Non, petite fonctionnalité assez lol, mais bon, c'est toujours marrant comme ça de pouvoir faire son petit scénario parce que je sais pas si tu te souviens, il y a le cabaret, il y a plein de choses en fait pour montrer tes Pokémon. Il y a des concours de mode, de ce que tu veux. Tout est revenu là-dedans, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y avait déjà dans Bien sûr. Et donc, en plus, il y a ces films et des scénarios, il y en a bien une bonne quarantaine. C'est pas de la gnognotte. C'est pas mal. Et en plus, il y a. Ce que vous allez voir dans le deuxième Gaming Live tout de suite. Donc, on se retrouve dans la deuxième vidéo. Allez, on va prendre le bateau. On prend le bateau. Ciao. Ciao.